Salut, c'est Diab et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de rage. Ah, de rage, de grosse rage. Parce que là, on va rager contre la nouvelle mise à jour et qu'est-ce que Mojang nous a dit. Mojang avait dit qu'il rajouterait les bannières dans les prochaines mises à jour. C'est pas encore fait. Ça, c'est génial. Là, vous voyez Tété. Tété Allstar qui est là-bas. Qui est en train de construire, je sais pas trop si c'est supposé être quoi, honnêtement. Alors voilà, on va continuer sur les trucs qu'ils ont rajoutés lors de la mise à jour, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas rajouté. Ils étaient supposés rajouter les bannières, ils l'ont pas encore fait. Ça serait supposé venir dans les prochaines mises à jour aussi. Alors on le sait pas encore quand on va avoir les bannières, c'est génial. Parce que moi, dès qu'on a les bannières, je fais des trucs de mon gueule, vous allez voir. Sinon, à part ça, la façon de détruire le monde, c'est génial, merci. Parce que là, on arrive en pleine partie, vous faites 5 kills d'affilée ou 3 kills d'affilée, et qu'est-ce qui arrive? Ben, vous faites détruire. Alors, je peux vous dire, pour les vidéos, c'est génial, vous arrivez en pleine partie, vous arrivez pour buter le dernier mec, il y en a 3 qui votent contre, il sait je suis où à peu près, il me pêche des biscuits. Je te jure, ça c'est Tété. Non mais il est con là, Enzo. Attendez deux secondes là. Voilà. Et il y a Tété qui me pitch des cookies. Alors, j'ai parlé du mode d'exclusion qui fallait 3 votes. Alors, juste pour vous expliquer ma situation, je me fais une arène en battle mode. L'arène. Pour le PVP. Et il y en a un qui rejoint. Sauf il me fait chier. J'arrive pour essayer de l'exclure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 votes pour l'exclure. Alors, désolé de vous dire. Moi, je m'en fous. J'ai une autre manette. Mais pour eux qui n'ont pas d'autres manettes, là, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire. La seule affaire qu'on peut faire, c'est quitter la partie, et revenir et attendre. Désolé, là, mais c'est chiant et c'est mal foutu. Bordel! C'était mieux avant. Au moins, l'autre de la partie pouvait exclure tout le monde. C'était mieux, beaucoup mieux. Certes, il y avait des abus, il y avait du monde qui excluait tout le monde dès que vous arriviez. Mais franchement, si on s'en fout, c'est pas grave. C'était mieux avant. Sinon, je sais pas si j'ai parlé du nouveau jeu, qui est, parce que c'est un jeu de merde. Clairement, c'est un jeu PC, PC qu'ils ont juste pris et adapté pour la PS3 en le rendant moins cool. En mettant une osse pour une grosse mur autour, en mettant un lac de lave. Désolé, mais je peux refaire la même affaire, là. J'ai juste à creuser un trou dans une map en survie, là. Non, mais c'est vrai pareil, là. Où on s'en va dans le désert, je creuse un trou. Oh, il y a mis de la neige, ça fait tellement beau. Oh, ouf. Désolé, je suis fatigué légèrement. Alors, aussi, quoi d'autre? Ah, ça fait stylé, en tout cas, son truc. Quoi d'autre? J'ai parlé des ajouts, j'ai parlé de la façon d'exclure, j'ai parler du nouveau jeu. Ah oui, le seul point positif de la mise à jour, c'est qu'on rajouté des nouvelles armes dans le PVP. Des nouvelles armes. Une épée en diam avec, je pense, tu peux taper à peu près 15 fois avec. Je sais pas, j'ai pas calculé. Je l'ai jamais eu en main en plus. Je l'ai eu en main, oui. Juste dans la vidéo où je visite les maps avec mon autre compte, je l'ai eu. Mais sinon, à part ça, je l'ai jamais eu. Sinon, il y a... Attendez deux secondes. Il y a la pelle en diam avec recul 2. Tous les bâtons et armes avec tranchant 3 qui étaient pas... quelque chose qui se posait faire des dégâts. Ils l'ont tout baissé à tranchant 2. Et vous vous rappelez, il y avait un bâton tranchant 2... Quand vous pognez un plastron, c'est un bâton soit tranchant 3, soit tranchant 2. Maintenant, c'est un tranchant 1 ou un tranchant 2.
plus de tranches en droit. Allez, on fout ça parce qu'il y avait du monde qui ont chialé que ils se faisaient tuer alors que eux ils avaient une épée et quasiment full stuff. Oui, mais si tu sais pas l'utiliser l'épée là, désolé, mais je te pute nos stuff là. Ça va être même peut-être le prochain sujet du prochain PvP défi. Qui sait? En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo. Bah, je peux pas vraiment vous dire si elle vous a plu là, mais bon. En tout cas, sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Sigal.